Alors, voyons voir si on est en live. Regardez ce stream diffusé il y a 3 minutes. Bah, je suis toujours en. Je suis logiquement toujours en stream, mais bon, c'est pas grave, Twitch, je t'en veux pas. Mais sérieux, hein, je t'en veux pas du tout. 3500, on n'a pas de perte pour l'instant. Bon, on vient de commencer. Voilà, ça vient de se mettre. Donc, bonjour à la rediffusion Twitch et YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc, Bonjour à aujourd'hui, la on se rediffusion retrouve Twitch et YouTube, pour une j'espère que vidéo vous allez un peu particulière, puisque nous allons replonger un peu dans Guild Wars 2. Donc, je vais baisser un peu le volume. Donc, on va recommencer tout un truc, hein. Parce que là, en fait, j'ai un niveau 80, mais c'est vrai que je l'ai fait en rush celui-là. J'ai jamais fait en mode vraiment. Enfin, en mode sérieux. Donc, on va créer un nouveau personnage. On est sur le serveur Fort Ragnac, je crois. Fort Rignac. Alors, désolé, je dois attendre aussi quelqu'un qui doit passer chez moi. Du coup, je sais pas quand. Fin de matinée, mais je sais pas quand. Alors, du coup, je sais pas quoi du tout faire. J'étais à me faire un petit truc, là, un petit truc comme ça, la con. Non, pas ça. Vas-y, non, s'il te plaît. Peut-être ça, je sais pas. Alors, par contre, je sais pas du tout quelle classe prendre. Mais ça fait petit, non? Ça fait petit, on est d'accord. En fait, j'hésitais, ouais, soit ça ou. Bah, un humain, pour pas changer. Donc on a les. Pourquoi pas rôdeuse, parce que voleur, j'ai déjà fait, mais ça m'intéresse pas vraiment. On a nécromate, élémentaliste. Alors moi j'avais fait une envoûteuse, mais bon, je sais pas, j'hésite en fait à. C'est-à-dire pourquoi ça me pose. Alors je sais pas ce que ça va rendre graphiquement. Et je sais pas ce que ça va rendre aussi comme ça. Alors hop, on va je vais décaler. Par le bas, par le haut. On peut pas par le haut. Mince, je l'ai dans le baba. Bon, je verrai s'il y a des saccades. Du coup, je sais pas. Je sais vraiment pas quoi faire. Alors, on pourrait faire un nécromancien. Alors, ça, j'ai pas le DLC. On pourrait faire un ingénieur, un élémentaliste, un rôdeur, ça peut être pas mal. Un gardien, mais bon, j'ai pas envie de faire le gardien. Pourquoi pas un nécromant? On pourrait partir sur un nécromant. Ou un rôdeur. Rôdeur, nécromant, nécromant, rôdeur, je ne sais pas. C'est vrai que j'étais parti pour gardien de base, mais là, ouais. Peut-être partir pour un nécromant. Voilà. Physique. Ouais. J'ai pas besoin d'un truc de ouf, hein. Là, lui, il a une belle tête, lui. Finalement, pour en revenir à New World, la personnalisation Guild Wars 2 est beaucoup plus poussée finalement. Bah, en termes de cheveux, j'ai envie de te dire que c'est la classe quoi. Bah, tu peux même avoir un Gérald de Rive quoi. Couleur d'accessoire, c'est quoi la couleur d'accessoire? J'ai un accessoire? Ça là peut-être derrière? Non. C'est pas ça. On va laisser en comme ça avec une petite barbe. Oh, il me plaît bien comme ça. Ouais. Ah, comme ça peut-être.
Non, comme ça. Allez, c'est comme ça. Ça tue, ça. Les yeux. Après, le reste, moi, ça me va. Hein. Teinture d'armure. Je suis obligé d'avoir cette saloperie sur la gueule. Je sais pas quoi prendre là. Nez. Largeur bouche. Largeur tête. Tature. Ouais, ça me plaît pas le. Il n'y a pas un caractéristique du corps là. Il n'y a pas un truc à taille, physique. Option tête. C'est peut-être ça, hein, enlever, non? Ah, c'est peut-être... Non. Teinture d'armure. Couleur d'accessoire. Pour moi, c'était dans le détail du visage, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. On va voir. Hein, Je vous jure. Alors, j'ai pas tout fini de télécharger le jeu. Je dois être à 90%, un truc comme ça. Ça me paraît clair. Bah pourquoi tu grognes toi, Zanzibar? Parce que je fais gaffe, hein, comme je l'ai dit, j'attends de la visite. Ébène. Orchidée. Attends. Loulou. Re-ébène. Chaussure ébène. Ouais. Peut-être que c'est après que je peux choisir le masque. Alors, hop. Loulou, t'arrêtes. Ah mais je vous jure, hein, il arrête pas de grogner là. La mort accompagne les nécromants. C'est pour cela que je marque le symbole. Ah oui, c'était ça, un crâne ou un spectre. Alors, évidemment, il cherche à pénétrer notre monde pour les détruire. Je respecte les traditions des nécromants. Aspect est une créature éthérée, sa ruse lui permet d'éviter ses ennemis. Même si les difficultés s'amassent sur mon chemin, ma grâce, je suis gracieux, personne ne peut résister. Je reste digne en toutes circonstances, c'est pour cela que les gens me respectent. D'accord, on va prendre intimidant. J'ai été élevé dans la rue par des gens ordinaires. J'ai été élevé par des routuriers. Donc voilà.
Un de mes plus grands regrets est de n'avoir jamais recherché mes parents. Quand j'étais petit enfant, j'étais abandonné dans un orphelinat. Un gentil couple m'a adopté et devenu ma famille. Mais je m'interroge toujours sur mes parents biologiques. De n'avoir jamais retrouvé le corps de ma sœur. Eh, attends, j'ai pas lu. Ma sœur était une séraphine. Elle a été tuée par des centaures au cours d'une patrouille. Ils n'ont jamais retrouvé son corps. Oh, je vais mettre ma sœur. Tout le monde raconte que j'ai été béni par... Je vais prendre lui. Hop. J'ai été béni de la mort, même si les difficultés, la mort. Ceci est mon histoire. Alors je dois mettre de... Est-ce que... Bon, ça doit être pris, ça. Avec 2K, c'est pas grave. Eh, mais en fait... Ah, j'ai eu peur. On n'a pas de perte. Ça a l'air fluide. Aujourd'hui, nous luttons pour survivre. Nous avons été vaincus, exilés et pris. Mais nous ne céderons. Tant de nations sont tombées. Seule la Crite résiste encore. Notre foi est forte malgré le silence des six dieux. Avec courage, au promontoire divin, nous ferons face ensemble. Cette ville est mon foyer. Je viens d'un milieu ordinaire, de la classe moyenne. Mes amis et moi ne cherchons ni l'attention ni la gloire. Nous cherchons juste à survivre. Et je pense que nous pouvons encore bâtir un monde meilleur sur les ruines de l'ancien. Aujourd'hui, je suis sorti du promontoire divin pour voir le monde. Quand je suis arrivé à Shemur, le village était assiégé par les centaures. Les villageois innocents sont en danger. Il faut les aider. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la peur. Je dois combattre, ne pas baisser les bras. Ceci est mon histoire. Tu lui mets un costume de Batman et c'est Batou. Hein. Non mais clairement, hein, c'est Batou. Y a pas à me dire que tu t'es encore cassé une griffe, toi là-bas, l'asticot. Pépette? Ah, ça va, elle est toujours dans son coussin. Nous sommes attaqués. Ah oui, j'allais dire pourquoi il n'y a pas de son. Allez, c'est parti. Alors déjà, on a 4 courriers. Une raison spéciale. Ah, c'est vrai que j'avais des trucs. Trop de trésors. Givers Pass of Fire actuellement disponible. J'ai pas envie d'acheter. Pour l'instant, on redébute. On verra si on kiffe. C'est vrai que je l'avais fait le jeu, mais. Ah, j'ai mis un anneau. Mini dragon. On a la pierre aussi. Hein? Eh, c'est pas tous les stuffs que j'ai avec mon perso? Okay.
Ok, donc ça c'est ma banque personnelle. D'accord, mais c'est stylé, je me souvenais plus de ça. Alors moi j'ai quoi dans mon inventaire? Alors du coup, héros. Équipement. Ouais. Hachette émoussée. J'ai des hachettes alors. Alors déjà, on va voir comment le jeu réagit quand je saute et je cours. S'il y a du lag. Non, il n'y a rien de tout ça. Ça va, c'est fluide. C'est fluide de chez fluide. On est bien. Donc on est en fluidité. Pas de perte. C'est bien. Oui, donc hop. Donc on est au début. Oui, nous sommes attaqués, je l'avais compris. Et ça, c'est quoi comme classe, ça? Ingénieur? Oh, écoute, et ingénieur, ça peut être stylé, en fait, avec un pistolet. Donc, on peut me protéger. Allez, à l'auberge. Ok, on va à l'auberge. Ah, attention. Wow. Je sais pas ce que j'ai fait comme sort. Putain. Et ça, c'est quoi tous les trucs qui clignotent là? Ok. Il y a tellement de trucs. Ça fait tellement longtemps. Ça c'est les extensions, mais ça je les ai pas. Ah, vite, on se fait attaquer. Et c'est quoi ce sort absorption quand vous absorbez vos... D'accord. J'ai eu quoi là dans mon sac là? S'il appelle à l'aide, c'est que c'est grave. Mais je n'ai personne à lui envoyer. J'y vais. Le capitaine Tacré a toujours servi le promontoire divin. Si je peux l'aider, je le ferai. Puisse Balthazar vous bénir. Une telle attitude nous aidera à gagner cette guerre. Bonne chance. Ok. Je joue vers la garnison. Ils ont des doubles guns et tout. C'est quoi ces trucs de pété? Alors, la carte, comment on l'ouvre? Ah oui, c'est vrai que c'était comme ça. Par là-bas. J'ai un objet gratuit à récupérer. Ils me disent que j'ai un cadeau, objet gratuit disponible. Il est où l'objet gratuit aussi? Rien de gratuit. Ah si. Ça, c'est gratuit. Est-ce que j'en ai acheté au moins? Je l'ai acheté ou pas? Comment on achète? Là, je clique. Oui. C'est une cape, effectivement. Alors c'est gratuit, alors mais comment on achète? Oh, je dois cliquer dessus, terminer l'achat, d'accord.
Ok, je crois que je l'ai reçu. Voilà, tout prendre. Apparence déverrouillée. Pourquoi je ne peux pas l'utiliser? Et voilà, du coup, de leur faute, je me fais attaquer sur le pont d'Avignon. Je me fais courser. Et où il y a un gros machin? Il y a l'air d'avoir du monde hein, en fait ici. Par contre, je fais pitcher avec ma petite hachette. Venez, vous ne passerez pas. Je sais pas si c'est lui qui dépèse comme de ouf, mais... J'ai eu le niveau or. Ça y est, les portes sont open. Bon, on les a vaincus, non, les centaures? Ah non, c'est là. Ils viennent de partout. Tu parles, on en a tué que deux. Chargé! Je suis pas le tank de base, mais bon. Je spam. Viens ici. Il fuit comme un lâche en est. Mais arrête, c'est stop, c'est bon, la hachette. C'est quoi ce bordel? Je me souviens plus de ça. Je m'en tape, on y va. C'est immense. Il y a déjà un mort là. On va le raise. Est-ce que je les raise?
J'arrive, Paprenel, je te jure, je vais te faire ta fête. Bon, il a envie, il explose, il est mort, bref. Ah. Je crois que on a dû succomber ou être dans le coma. Où suis-je? Que s'est-il passé? Vous avez pris un mauvais coup quand l'élémentaire a explosé. Le capitaine Takray s'est chargé de vous amener ici. Vous avez dormi pendant 3 jours. Vous avez reçu beaucoup de visites. Des villageois que vous avez sauvés, des séraphins, et même un aubergiste accompagné de sa fille. Elle est venue tous les jours. Il doit s'agir de mes amis André et Petra. Il faudra que j'aille les voir quand j'aurai récupéré. Que dois-je faire maintenant? L'air frais et l'exercice sont des remèdes souverains. La déesse Dwaina vous est venue en aide. Vous pourriez peut-être aider les autres à votre tour? Bonne idée. Et merci d'avoir pris soin de moi. J'allais dire, en fait. Ouais, je viens d'accueillir. Oh, d'accord. J'allais dire un truc, c'est que. On monte pas très vite en termes de niveau. Et là, en fait, le niveau, il est monté d'un coup en validant la quête. Du coup, en fait, voilà, tout ce que j'ai dit, c'était un peu de la merde. Bon, la chatte est là. J'ai eu un sort de niveau 2. Qu'est-ce qu'ils appellent pièce à ramasser, fond? C'est Ah d'accord, oui, donc j'ai des fonds qui sont mis là, d'accord. Ok. Éclaireur. Les champs autour de Chemour sont le garde-manger de la crite. Depuis les attaques centaures, les citoyens tentent de reprendre une vie normale, mais les bandits et les créatures sauvages ne leur facilitent pas la tâche. Aidez-les, n'attendez pas d'invitation. Et si je veux attendre une invitation, moi, hein, Pépone? Du coup, terrasse. Alors du coup, on va essayer de chercher. Putain, je gagne des niveaux comme ça. Je suis Sparadra, j'explore et je gagne des niveaux. Alors ça, c'est fait. Panorama inconnu. Donc ça, on doit aller le chercher, le panorama, de toute façon. Point de héros. On doit tout faire. Alors, si je me souviens bien, c'est par niveau de zone. Bah écoutez, de toute façon, on va essayer de tout faire. Putain, c'est quoi ce truc stylé là qui va te passer? Mais c'est carrément des ouf, lui, profondeur de Chiro, 119... Oula! Je me sens tout petit. Mais alors, tout petit. Je vous jure, hein. Mais vraiment tout petit, 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 petit. Peut-être que je devrais rebaisser, mais là il va à 720p en fait. Je ne sais pas. Alors là, qu'est-ce que j'ai eu? C'est quoi ce truc? Tiens, je vais essayer mon sort là. Ok. J'ai pas l'impression d'avoir tapé. Point de passage, cliquer pour se téléporter, d'accord. Donc les cœurs, si je me souviens bien, c'est des quêtes. Hein. Ça doit être ça. Faites vite, on n'a pas trop le temps de discuter quand on doit s'occuper d'une ferme. Avant, vous occupez du maïs ou du bétail, vous pouvez aussi débarrasser le champ de gueule, vous écraser quelques-uns de leurs trous. D'accord. On va faire ce que tu veux. Putain, il rebouche le trou. Ah, ça m'aide pour moi, non? Ça fait pareil, non? Hop, on va aller là. Oh! Finaise. C'est bon, c'est mort. Un mât de je sais pas quoi. Encore un trou. Ouais, ça me revient là, les. Comment ça fonctionne, les quêtes. Alors, par contre, Nécromancia, là, c'est vraiment une découverte de classe. Sérieusement, je savais pas quoi prendre. Pour l'instant, je peux pas en dire trop sur cette classe. En tout cas, j'ai une hachette trop stylée.
Je découpe des saucisses. Avec. Donc bon. Ah oui, ça prend le niveau, je crois, des... Quand tu viens dans une petite zone, en fait, ça prend le niveau des petits niveaux. Eh, espèce de caisse. Ah, mais je peux faire les trous... Je crois que je peux faire les trous aussi des autres. C'est quoi ce truc, là? C'est moche! Il est moche sa couleur verte. Putain, il a one shot. Putain, j'ai même pas le temps de taper. Alors je suis content parce qu'en fait j'avais peur de qu'il n'y ait plus personne dans le jeu et en fait il y a l'air qu'il y a du monde. What the fuck, qu'est-ce que je suis en train de faire avec cette vache? Je la divertis. Seriously? Alors, inventaire. Joueur contre joueur, récompense, ok. Nouvelle compétence de profession déverrouillée. Vous obtenez une nouvelle compétence de déverrouillée au niveau 5. Ah oui, bah attends, on n'est pas encore niveau 5 à ce que je sache. Voilà, j'ai un nouveau sac. C'est pas mal, du coup, on va aller valider la quête. Tout ce travail m'a donné le goût de l'aventure. Où vais-je aller ensuite? Du karma. On a du karma. Ok, donc j'ai du karma. Donc ici, niveau 2. Ah oui, c'est vrai, il y avait les niveaux dessus. C'est pas mal. Niveau 5, par exemple, là, on est dans la merde. Donc on va aller faire niveau 2, de toute façon. Et comme ça, on va faire niveau 3, niveau 4, niveau 5. Ça monte quand même assez vite, hein. C'est mauvaise langue que j'étais parce que j'allais dire ah ça monte pas vite et je clique sur le machin, ça me met un niveau en plus, alors du coup je crois que c'est dans l'eau. Ravi de vous voir. Ouais, c'est ça, les pièges d'écrevisses. Un steak. Ça aussi. Visité par une étoile. Là-bas, il y a un piège. Tu sais comment il fait tournoyer sa hachette, j'avais pas vu.
Attention, génitrice. On va de l'autre côté. Ah, c'est deux niveaux différents. Attention, deux quêtes différentes, faut faire gaffe. Un drake géant près du barrage. À l'aide, quelqu'un. Oui, je suis là. J'ai eu un puissant pistolet. Merci d'avoir tué ce monstre. Je vais pouvoir retourner pêcher. Bah va pêcher. Alors, ah, un œuf. On peut le manger ou on peut faire quoi avec? Attention, génétrice. Ouais, mais c'est bon, on l'a tué, là, la génétrice, du coup, ça c'est parfait. Ça a fait un truc en plus. Est-ce que ça m'a validé un machin sur le... Non, du tout. Ça m'a rien validé. Ah mais du coup j'ai fini la quête. Ah c'était peut-être dans la quête en fait. Bonjour. Et vous, revoilà, vous êtes revenu vous battre avec les drakes. Laissez-moi vous dire que vous ferez un beau spectacle. Si vous, sans vous, les drakes m'auraient sûrement pris un ou deux doigts. Regardez tout ce que vous voulez. Ah là je peux acheter quelque chose. Je vais vendre d'abord tous ces trucs gluants là. Matériaux d'artisanat. Matériaux d'artisanat, donc je vais les garder parce qu'on sait jamais. Alors qu'est-ce que j'ai vendu moi? Racheter. Je vais racheter ça. Ça c'est juste un trophée, on s'en fiche. Ok, donc compétence d'armes déverrouillée. Vous avez débloqué une troisième compétence d'armes. Appuyez sur 3 ou cliquez sur d'accord. Et c'est quoi? Vous infligez infirmité aux ennemis à proximité et convertissez leur avantage en altération. Vous déclenchez une explosion impie contre les ennemis en dessous du seuil de santé. D'accord. Allez voir les banquiers dans les villes principales pour déposer vos objets. D'accord. Équipement raffiné. Au niveau 6. D'accord. Et là, j'ai encore un nouveau truc. Je suis passé niveau 4, en fait. Grâce à vous, j'ai ramené plein de paniers d'écrevisses. D'accord. Mais c'est cool. Alors là, on va aller faire la quête de niveau 3 qui est juste derrière. Elle est juste à côté. Donc on va pas s'embêter. Que devons-nous faire? Ouais, il y a du monde. Hein, c'est un truc de fou. Colmater les brèches, éliminer les élémentaires de terre et repousser les autres menaces. Petite fuite. Ça y est, c'est fait? Ok. Il a juste couru, il a rien rebouché. Mais bon, c'est pas grave. Il y a du peuple. Alors par contre, normalement, je suis sur un serveur FR. Hein. Explosion. Plastron puissant meilleur et débloqué. Ouais, niveau 5, j'aurai une nouvelle tenue. Il est où le truc là, le chocobo? Il est en haut. Mince, faut pas que je tombe. C'est bien. Ouais, plus tard, hein. Je m'en tape moi qu'il y ait des gens ou pas là pour l'instant. Mais c'est gentil de leur part de proposer. Franchement, c'est vraiment sympa. Il y a eu des améliorations quand même, hein. C'était pas comme ça à l'époque. On
Putain, je me suis tué comme une vieille chaussette. Et monter à... Ah, je peux taper de très très loin. Tas de poussière. Oh, un char. J'hésitais à faire ça en fait, mais je sais pas, je me vois pas jouer ça. Même les petits trucs, en fait, j'arrive pas à jouer. Enfin, je tape encore. Je peux m'équiper des gants. Et ça, c'est quoi ça? Apparence déverrouillée. Niveau 6. Ah, d'accord. C'est qu'en fait, j'ai un truc là. Je le vois même pas. Si c'est le cas. Encore niveau 5, mais si j'ai des manteaux d'apprenti, ça y est, j'ai un nouveau blouson qui va pas du tout avec le bas de mon corps. Ok, alors du coup, là on a fait ça. Ah, bah je peux aller voir le panorama. Je vais aller peut-être voir le panorama et puis après on ira faire la quête de niveau 4 ici. Ah, c'est là-haut, là. Il y a une carte. Là, je m'en souviens des trucs comme ça. Alors, ça parle pas beaucoup sur le général, par contre. Ah, si. Hey! Alors, mais je sais pas à qui parler. Est-ce qu'ils ont fait un mélange ou pas de serveurs, là? Je ne sais pas. Mais en fait, ouais, je voulais tout recommencer parce que... Ah! Si vous préférez, ça fait très très longtemps, je crois 4 ans, que j'avais fait l'autre perso niveau 80, là. Et du coup, je sais même plus du tout où il en est. Du coup, je l'ai repris hier. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que j'étais perdu. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans, tiens? Des potes. J'aurai des nouveaux trucs, là, après. Ah oui, mais le manteau chemise tissé et puis les chaussures, là, c'est de la merde, quoi. C'est des trucs... Enfin, sauf celle-ci. Les espadrilles. Bon, comment on fait pour atteindre là-haut, du coup, le machin, là, parce que ça m'inquiète. Ah, excusez-moi. Ah, les aléas du live quand enrhumé. Est-ce qu'on peut monter davantage pour arriver là-haut? Ou est-ce qu'à un moment... Ah, je crois savoir, attendez. Oh putain, venez pas me dire qu'il faut faire ça. Nous sommes dans Tomb Raider, les amis. Et après, il faut sauter sur la caisse pour arriver ici, ressauter par là et arriver au point de vue du panorama. Oh, oh, oh. Bah, parfait, ça, nice. Ça, c'est les hauts faits, hein. D'accord. Ok. Ça, c'est fait. On va aller faire la quête de niveau 4 ici. Ah merde, je croyais qu'il y avait de l'eau en bas. C'est pas grave. Ah! Bon point, on peut nager dans ce jeu. New World, on peut pas nager.
J'ai pas compris leur délire qu'on puisse pas nager. Enfin, dans tous les MMO qui se respectent, tu peux nager. Mais pas là. Débarrassez-vous du verger des araignées. Hey Ida. Bienvenue. Ça va aller, Ida, ça va aller. Tiens, on va les tuer. Ah, mais je peux taper de très très loin, en fait. Je sais plus si... quand on a fini un truc, on est en genre d'instance ou quoi, là-haut, là. Calme-toi. On va péter les œufs. Sale race. J'aime pas les araignées. Ah, il y en a une qui est tombée de l'arbre. Excellent. Alors, elle est là. Pas besoin moi de l'espace. Ah oui, on peut esquiver, c'est vrai. Je suis niveau 5 en fait. Je vais équiper de ça. Ok, espadon. Ok, le niveau 6 pour ça. D'accord, oui, c'est vrai. Bon, du coup, je suis plus du tout stylé. Hein. Je ressemble à rien, là. Je suis tout blanc. On dirait une jeune mariée. Oh! Putain, je peux devenir spectre. Et avec des nouvelles compétences. Et comment ça monte, ça? Force vitale. D'accord. Comment allez-vous? Ah bah, elle m'a foutu une tarte dans la gueule, c'est ça que j'ai compris. Cherche des traces de morsures d'araignées. Elles injectent leurs œufs dans le noyau. Bah, ça doit pas être bon. Ok. Bon bah, du coup, next. Je vais aller là pour le point de passage. Et on va faire ça. Je sais pas ce que c'est, ça, l'icône, là. On verra bien. Et putain, j'allais looter, là. Mais oh! Voilà, ça le point de passage, c'est pour ce TP. Et lui, je sais pas ce qu'il veut, Lucas. On se connaît ? Ah. Bah écoutez les amis, on va se quitter ici, j'ai de la visite.